ils m'ont fait sortir? Ça fait qu'une semaine que j'y suis. Putain, mon bac, je vais le rater, c'est sûr. Pourquoi j'ai le droit de sortir? Quoi? Pourquoi j'ai le droit de sortir? Parce qu'il y a quelqu'un qui t'attend. Là, je t'explique. C'est qui? C'est quoi ça, ce véhicule? Eh oh, t'es qui? C'est un kidnappeur ou quoi? Simo? Ouais. Qu'est-ce que tu fous dans cette caisse? Wow, c'est quoi cette caisse? Elle est trop classe. Bah vas-y, monte. T'inquiète pas, j'ai un petit cadeau pour toi. Mais merci de m'avoir fait sortir, ça t'a pas trop coûté cher? Un peu quand même. 50 000 euros. Oh oui, quand même, désolé. Bon, vas-y, dis. C'est quoi la surprise? Déjà, il y a une petite surprise, il y a une bonne nouvelle. Après, une meilleure nouvelle. Déjà, première bonne nouvelle, il y a un nouveau lycéen qui vient d'arriver la semaine dernière. Oh ouais, il est très très sympa. Il aussi, il sait bagarrer et tout, il sait se défendre, ceinture noire de kung-fu. Ouais. Quand même. Bon, bah, ça va, et on va arriver à Los Santos et je vais te montrer l'autre. L'autre. C'est quoi l'autre? T'inquiète pas, l'autre meilleure nouvelle. Et d'ailleurs, évite de ne pas vomir parce qu'elle va assez vite. Ok. Préviens, je peux vomir à tout moment. Hein. Donc je t'ai prévenu. Va le plus vite dans les que tu peux. Du jour. Attends. Il y a la radio, ouais. Attends, on va l'écouter. Si vous allez dans la forêt, faites attention car les frelons sont nombreux. Oh, les frelons. Pour les sagittaires, faites attention, car une bonne rencontre pourrait tourner au drame. Okay. C'est la fin de cet horoscope. Et comme dernière information, nous vous informons qu'une banque a été braquée. C'est la banque, la flic à banque. Alors, si vous vous prenez le barrage, faites attention. C'est toi, Alexandre. C'est moi. Bon, mec, alors. Oh, t'es dégueulasse, vas-y! Par la fenêtre! Là, c'est bon. Heureusement qu'il y avait un sachet en bas. Pardon. Je pouvais pas savoir qu'elle irait aussi vite. Oh putain, ça fait mal au ventre. C'est quoi la surprise alors? En même temps, tu viens de bouffer, c'est normal. C'est quoi la surprise? Attends, on va s'arrêter juste à côté de l'hôpital. Bon, vas-y, je m'arrête et on va aller voir. Hé hey aïe. Bon alors, elle est où ta surprise? Alors, elle est où? Elle est ici? Bien. Là, je vois qu'un petit poteau bien. Et un hôpital. Ok. Waouh. Wow. T'inquiète pas, elle est blindée. Parce que c'est aussi wow, encore une autre voiture. J'aimerais tellement en avoir une comme ça, bordel. Putain, ça me dégoûte. Pourquoi... Ouais, fais gaffe. Tiens, prends ces clés. What? Pourquoi? What? Il y a un coup de téléphone. Vas-y, raconte. Mais c'est... Ah, allô? Allô? Ici votre directeur. Ouais? Ah. Oui, bonjour, monsieur le directeur. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, les cours commencent à 14h. Oui, j'oublie pas que les cours commencent à 14h, au revoir. Mec, faut que j'aille chercher une tenue. On commence les cours à 14h. Et c'est ça mon cadeau. Ouais. Oh yes. Oh merci, c'est moi, t'es le meilleur. Mais vite, on a cours à 14h. Bon maman, vas-y, je vais aller dans les cours, ok? Ok, on se rejoint là-bas. À toutes. Bonjour madame, je prendrai une tenue s'il vous plaît. Alors, au revoir madame, hein. Vous êtes évadé de prison ou quoi? Non, vous inquiétez pas. Allez, au revoir. Vite. Simon, allô? Oui. Vite, on va au lycée, hein. Fais voir, il est... Oh putain, il est 37. Je vais essayer de pas trop défoncer mon nouveau véhicule. Et je te remercie infiniment pour le véhicule. Il est trop classe. T'inquiète. Et vite. En plus, il est customisé de ta couleur préférée. Ouais, merci. Bon, attends, à toutes. Ok, je suis à 300 mètres. Presque. What? J'entends une banque qui se fait voler. Ah, cette fois, c'est laisse pas tomber. Moi. C'est pas le moment. Ouais, cette fois, c'est pas moi. Attends, il est combien? Oh putain, 53! Je vais avoir 2 heures de colle.
Je vais avoir deux heures de colle, j'ai pas le temps. Ok, bon ben voilà. On n'a qu'un cours, ça finit à 15h. Ah c'est bon, il est arrivé. Je suis arrivé au bon moment, dès que je suis arrivé, ça finit. D'ailleurs, après le cours, on ira voir ton pote. Bon, bon cours, Simo. Donc moi, je vais Merci. Me prendre 2 heures de colle. Putain Alex, toi, non, Alex, toi, t'as 14h30. Hein. Ok, parfait. Par contre, mon véhicule, j'espère que je pourrai le réparer. Hein. Là, ah ouais, t'inquiète pas, j'ai un pote. Allez, 800 mètres. Tu peux le réparer gratuit. Vite. Je peux pas avoir d'heure de colle. Je l'ai eu trop de fois, d'heure de colle. Au moins 4 fois. Oh putain, 17. Salut, allez. Ouais, salut. Allez, ça va, on taille en cours. Je finis les cours à 15h30. C'est annulé. Oh. C'est vrai? J'ai volé les feuilles. Eh hey, gars, à tout à l'heure les gars. Sérieux, là? Ciao. Eh hey, Alex, ça sera. Putain, j'ai une heure de colle. C'est pour ça j'ai fini à 16h, ça me saoule. Voilà, il va être 16h. Ah, vous êtes là. C'est trop cool. Voilà, ça a sonné. Tu me présentes ton pote ou pas? Ah ouais, du coup, Alex, qui je te présente Mathis, et Mathis, je te présente Alex. Ouais, ouais, salut. Simon, t'es Sagittaire, toi, t'as dit. Ouais. Ah. T'as entendu l'horoscope de tout à l'heure ou pas? Il est un peu chelou, son pote. Ouais, comme quoi les Sagittaires, ils croyaient faire une bonne fréquentation et finalement, j'avoue, c'est pas une bonne fréquentation. Hop. La merde, de toute façon, c'est l'horoscope. Avec qui tu nous attends? Ouais, d'ailleurs, merci d'avoir réparé mon véhicule. Ouais, j'ai appelé la dépanneuse. Hein. Ouais. J'en profitais pour ces une heure. Alex, t'inquiète pas, demain t'auras pas de cours. Je volerai les feuilles de nos profs ainsi que t'as racaille, toi. Bah ben ouais, mais sauf qu'on a bac, hein. Je veux pas dire, et moi je veux avoir mon bac, hein. Ah, c'est demain. Moi aussi, demain j'ai bac. Ah bah... Non, c'est pas demain, bac. C'est pas demain, bac. Qu'est-ce que tu dis, Simon? C'est dans 2 semaines, c'est juste qu'on doit préparer. 2 semaines, le bac. Et bah putain, je me rappelle de rien, moi. Bah faut que et tu prennes. Bah c'est bien pour ça qu'on doit aller en cours, parce que pour préparer notre bac. Mais ton pote, il est un peu racaille, hein. Il doit s'en foutre, lui, du bac. Ouais, je trouve. C'est un peu mais ça serait bien qu'il ait un bac. Je suis pas allé en prison, moi. Ah, bah c'est bon, hein. Ça arrive de péter un câble, donc tu parles pas de ça, ok? Que tu vas pas commencer à me saouler. Putain. C'est bon. Ok, oh, gars, je wow. Waouh! Fais gaffe, putain! Tu m'as foncé dessus, là. Viens, on va chez moi, c'est bon. T'es espèce d'enculé, tu m'as niqué ma caisse! De quoi j'ai rien fait, là? Waouh, 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 waouh! Tu touches pas mon pote! Tu touches pas mon pote, ok? Tu te calmes, alors! Tu fais pas ça! Et bah, t'as niqué ma caisse, je l'ai niqué. Oh. Allez, dégage. Commence pas. Et bah, toi, de ma caisse! Commence pas. Et l'endroit, dégage. Il est en train de ma caisse. Et l'endroit de ma caisse. Bon, moi, je vais vas-y. Viens. Ah, la gueule, tu sors une batte? Moi, je te sors ça. J'ai rien fait déjà. Ouais. Bon, il est où ton pote racaille là? Je sais pas. Bon. Il est où ton pote? Ah, bah, t'es là. Toi, tu cherches un peu trop à merde, je trouve, hein. Cherche à péter ma bagnole. Commence pas. C'est bon, calmez-vous là. C'est commence bon. Pas là. Hey, commence Mathis, pas à chercher. Waouh waouh. Mathis, je te arrête. Merde, désolé. Aïe. Mais arrêtez. Je connais même pas ton pote là, c'est un connard. Ah c'est bon. Quoi là? Hey, stop les gamins. Oh. Ah. Ton pote là, il fait trop chaud. Bah toi aussi, tiens. Juste parce que t'es racaille, tu fais le show. C'est pas comme si t'étais racaille. Commence pas, sinon je vais te frapper. Ah, oh. Tu me tapes. Pousse-toi. Oh. Bon. Commence pas, je te dis, putain. Ok. Voilà ce que j'ai fait de ta caisse de merde. Wouah. Alex. Arrête. De toute façon, vous me saoulez tous, va. Tu vas tourner en tôle quand même. Tiens ton véhicule de merde, ce que j'en fais. Tu vois ce que j'en fais? Alex! Ça! Fuck! Je l'emmerde ton véhicule! C'est quoi? Je vais appeler le mécano comme ça, il va revendre ta Tempesta. Ah! Arrête! Là, viens, t'es là, t'es là. Fou. Mais arrête-toi! Mais arrête-toi! Avec ta botte! Reviens là!
secours, c'est dégage, bon. Toi. C'est mort. Dégage, c'est il mort. Va me faire sauter. Ça malade. C'est une affaire d'homme. Au secours. Simon, viens m'aider. Simon, s'il te plaît, appelle la police. Et toi, Paul. Bah, j'ai pas le 911 au numéro. Bah, tape-le. Allez. Eh bah là, ça va être chaud pour le retaper, hein. Oh. Bah, essaye. Au moins, tu pourras sauver une vie. Parce que c'est vraiment un malade, ton pote. Bah, t'as qu'à essayer de défendre, au moins. Mais je peux pas, il est une batte. Au secours. Mais c'est un fou, en vrai. Je veux pas, mais t'es malade, toi. C'est bon. Comme si t'étais un racaille. Que on doit tout le temps te commander, là. On a qu'à pas me traiter de connard. Par contre, je suis prêt à sauter. Arrête. Arrête, Alex. S'il te plaît, bouge-toi. Et d'où tu me jettes? Non, je te jette. Ok, bien joué. Entre toi et moi maintenant. Ok, on va se jouer en trombe. Tiens. Écoute, mec, je suis désolé. What? Wow, y'a un mec. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Eh, mais quoi? Mais what? Dans la forêt. Alex, viens. Ok, j'arrive. Je peux le contrôler. Aïe, aïe. Il est parti. Il est parti. Tout va bien? Ouais. Il est parti en parachute. Faut retrouver ton pote et faut qu'on l'arrête. Les flics ont essayé de l'endormir, mais viens, ça a pas on marché. Va essayer de l'arrêter, toi et moi. On va le défoncer. On va pas rester comme ça. Ok? Mais attends, il y a les flics, regarde, t'entends les flics, ils arrivent, ils sont à sa recherche. Ouais, mais il faut jamais les trouver. Moi. Ça, c'est un taré, hein. C'est qu'une mais fois, attends, mec. Attends. C'est qu'une fois dans ma vie que je le ferai. Allez, monte! On va le perdre de vue! Mais vas-y! Mais vas-y! Ah bah si je crève, ça sera de ta faute. Allez, ciao. Je vais mettre ma tenue de flic. Ah non, en fait... pourquoi je mets ma tenue de flic, en fait? Alors, j'ai même pas lequel, ah, il la est carte. Là. Mais c'est mort. Mais j'arrive. Je vais entrer dans son appart. Ok, c'est bon. J'ai entré dans son appartement. T'imagines, il a une salle pleine d'armes. Wow, wow, wow. Allô, Simo. Ouais. Je suis rentré dans l'appartement. T'es rentré, c'est bon. Il a plein d'armes. Ouais. C'était quoi ça? Y'a rien. Je vais fermer la porte à clé, on sait jamais. Oh putain. Mais putain. Ah, je flippe. C'est un gros malade, ce gars. Un vrai malade. Je vais voir ce qu'il fait. J'espère qu'il va pas venir. Oh putain. Est-ce qu'il a... il monte en haut? Non, je crois pas. Je vais essayer de ressortir dans l'appartement et de donner une preuve aux flics. Je vais aller essayer de défoncer la porte. Et... est-ce que j'ai de la vaisselle? Ah ouais, après la vaisselle, j'irai dans ma chambre. Oh putain. Voilà. Ah, c'est 3, 2, 1. Ah oh, je referme la porte. Voilà. Comme ça, j'espère qu'il n'y a pas à savoir qu'elle a été quelqu'un ouverte. Quelqu'un a défoncé. Oh non. Oh putain. Ok. Allô, Simo. Ouais. C'est bon, je vais sur l'ordi. Je récupère tous les trucs. Alors, j'envoie un message au flic. Hop, hop, hop. Et hop. Tu fais quoi là? Non mais écoute, moi, je suis désolée. La clé. Tu serais pas l'enfoncer. Maintenant t'es mon otage. Maintenant, mais écoute, je suis désolée, je suis qu'un lycéen, je veux passer mon bac dans une semaine. Bon ok, c'est bon, laisse-moi, vas-y, ferme la porte, c'est bien. Ok, je vais appeler Simon. Oh. Oui. Et je ferme les placards d'armes. D'accord. Voilà, j'ai pris toutes les armes que t'avais sur toi. Ok. Bon, je vais appeler Simon. Allô, Simon.
Oui. Je t'en supplie, viens m'aider. Il m'a enfermé dans une pièce, bordel. Et à un moment, la pièce, il y a des petits trous là que je vois. Et à un moment, la pièce, il va mettre du gaz. Et je vais crever, c'est un grand malade. S'il te plaît, viens. Dans 5 minutes, le gaz, il commence à venir. Oh putain. Oh, mais c'est devant, c'est la porte, Alex. C'est moi. Alex, c'est un déguisement, t'inquiète. C'est pas une vraie tenue. Okay. Bon, viens. C'est pas de bruit. La voie est libre. Putain. Là. Go, 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 go. Allez, go, on y va. Ah. Oh, t'inquiète pas, c'est un déguisement. Ah. Ok. J'espère qu'il va pas aller voir dans la pièce. Vas-y, go. Vas-y, viens. On va regarder de loin ce qu'il va faire à l'appartement. J'espère qu'il va pas mettre de C4. Non, c'est pas possible. Il est pas comme ça quand même, je pense. Ah, vas-y, arrête-toi. On regarde ici. Tu vas où? Tu vas où? Là, on voit pas l'appartement. Wow, c'est un malade, lui. Alors, appartement. Bon, après, moi, je vais retourner à mon appart. Ok, mec? Allez, je vais y aller, ok? Si ça te gêne pas. Ok. Vas-y. Attends, je vais aller voir là-bas, parce que là, t'es pas assez près, hein. Aïe, putain, culé. Alors, je vais entrer dans mon appart. Les C4 sont prêts. Eh bien, on y va. Ok. Wow, wow. Il est malade. C'est ok, là, il est allé trop loin. Viens ici, enfoiré. Colère. Je sais pas où il va se casser. Mais il sera quand même des balles à l'intérieur. Mais je sais pas comment te l'appeler. Oh, j'arrive pas à tirer, c'est trop dur l'arme. C'est pas en fait pour temps, moi. C'est une mitraillette un petit peu. Oh, je l'ai touché qu'une fois. Je le toucherai plus après. Parce que je sens que je vais pas y arriver. Putain, il bouge trop. Oh non, on me dit pas qu'il y a à se casser en avion. Parce que là, ça sera le pire moment de ma vie. Ah, arrête. Attention, tu as fait un accident. Là. Allez. Ah. Ah, putain. Wow. Bien joué. Simon, mais réveille-toi! Moi je vais lui foutre. Ah! C'est quoi? Ah! Il s'est passé quoi, wesh? Simon! Mais mate! C'est toi qui te réveille pas! Vite! Il est parti par là-bas! Oh, un point à l'aéroport! Enfin, je t'en mets un au cas où. Mais je pense pas, moi aussi. Oh putain! Attends, je vais prendre le petit pistolet. Non, mais c'est moi ou bien je dirais. Wesh! Il va voler un hélico pour voler un avion. Je l'avais entendu dans son plan. Vite, on prend l'hélico. Mais tu fais quoi? Je sais pas conduire un hélico, par contre. Je te préviens, on pourrait se cracher à tout moment. Allez, moi. Vas-y, chacun un hélico, j'ai le rouge. Ok. C'est moi, content de t'avoir connu si on meurt. Ouais. Ouais, je sais pas conduire. On va aller voir quoi du jour. Mais moi aussi. L'horoscope est tout à l'heure. Ah, peut-être. Nous ne savons pas. Les Sagittaires ont peut-être cru faire une bonne rencontre et à la fin leur a semblé mauvaise. On ne sait pas. Putain! Vous avez raison, ça va, mon rocker. J'ai l'impression que tu te débrouilles. Ah! Putain! Ah putain, ça se voit que c'est un peu dur. Ah, ça prend bien fois que je conduis un hélico. C'est galère. Ouais, attention à la tour! Oh putain, je c'est qui c'est toi là ou c'est qui là à côté de moi? C'est l'autre. Là c'est moi au-dessus de toi. Là c'est moi à côté. Connard. Mais attention. Mais j'ai pas passé dessus. Mais où? Ok, on va faire pareil. Sans parachute. 3, 2, 1. C'est mort. C'est la première fois que je vais conduire un hélico. Ouah, l'avion! Enfin, l'hélico! Punaise! Je pensais pas un jour faire ça dans ma vie. C'est vraiment chaud. Vite! C'est mon avion, il y a un jet! Je vais essayer de l'arrêter. En tombant sur c'est le jet. Ça. Ok. Où c'est vous là, dans les couloirs? Ah, le deuxième jet! Juste à côté, mais. T'es sûr que tu vas pouvoir conduire? Non, je suis pas sûr. Allez, bah, viens, si t'es pas. Viens!
On va aller voir, il est passé par là-bas. J'ai juste un peu peur de me cracher, donc... En fait, un avion, ça se conduit comme ça, j'ai l'impression. Ouais, pareil. Ça se conduit peut-être... Oh, ouais, c'est en train de voler. J'ai rien compris. Oh non, il va pas prendre ce que je pense. Non. Pousse-toi. C'est un titan. Il va s'envoler, pousse-toi. Les titans, c'est beaucoup plus résistant que nos avions. Ils pourraient nous niquer en 2 secondes avec. Donc faut qu'on fasse gaffe, faut qu'on prenne des précautions. Vite, il a décollé. Oh la compagnie. Oh putain, je pensais pas un jour conduire un avion. C'est parti. Oh, il est en train de me tirer dessus. Waouh. Allez, c'est mort. T'inquiète pas. C'est un enfoiré. Quand on a nos armes. Certes, il est plus blindé, mais il est plus rapide. Notre avion. Ouais. Allez, je peux le rattraper là. Attention, c'est mort. Je veux pas que tu meurs. Ouais. Vas-y, je le rattrape. Fais attention, pas de crainte. Non. Oh. Non. Il est en bas. Je vais me suicider pour Simon. Non. Simon, me dis pas qu'il est mort. L'autre, cet enfant, il va sauter. Je vais le venger si Simon est mort. Il est où cet enfoiré? Je vais le faucher. Putain, Simon, il est mort. Après l'avoir tué, ça sera mon tour de mourir. Oh, allô, Alex. Simon, t'inquiète pas, ça va aller. T'inquiète pas, moi je suis en parachute. C'est parti. Tu vas aller le rejoindre. Si je peux pas descendre. Ça va être un combat entre lui et moi maintenant, bébé. Ok, c'est bon, je suis là. Tu vois si ça te chante. Tu ah bah attends. Je sais ce que j'allais faire de toute façon. Allez, viens. Allez, bye. Bye. Ok, ça va être entre lui et moi. Oh, aïe. Cet enfoiré. Ok, bouge pas. Tu fais quoi là? Tu fais quoi? Bouge d'ici. Pourquoi tu fais ça? Arrête. Arrête de faire ça. Avant de te tuer, je voudrais te poser une question. Quoi? Arrête d'en jeter. Sinon je te mets une balle. Viens, tu vas monter avec moi. Et tu fais un truc qu'il faut pas, tu meurs. Je te préviens, un truc. Et tu vas arrêter de jeter ces trucs de merde. Ok, c'est bon. Sinon, t'auras ça comme balle. Hey, calme-toi. Dégagez-vous. Je pensais pas un jour faire ça en tant que lycéen. Et je voudrais pas retourner en prison. Dégage-toi. Salope. Dégage, commence. Ouais, c'est moi qui conduis. Tu... Ouais, je vais te tirer dessus, t'es chaud. Monte. Tu vas avoir pas trop de choix. Si tu me dis des mauvaises réponses, tu vas sauter en bas et tu vas crever. Mets-toi au bord. Ferme ta gueule. Tiens. Ah, c'est bon, arrête. J'en ai marre de toi. J'en ai marre. Tiens. Maintenant, ça va être à mon tour. Ça, j'ai plus rien à faire. C'est tout. On va aller mettre le camion, on va aller sauter. Bon. Je vais l'endormir. Il se réveillera et il se souviendra plus tard. C'est parti. Hop. Allez. Dans 10 secondes, je vais sauter. Il n'y aura jamais plus rien. Je vais l'endormir. Je ne me souviendrai plus de rien. Hop. Juste. Et hop. Ok. 3. Tu es où? Bah, Simon, il est où? Bon, allez. Putain, mais moi, j'ai mon bac en plus. Et vite, faut que je retourne en cours. Vite.
Putain, je suis en retard, fais chier. J'avais carrément oublié. Bon, et ben moi, tu sais quoi, je vais aller retourner faire mes cours parce que là, je comprends vraiment plus rien. Bon, allez, go. Oh, attention ! Oh, je passe à travers la vitre. Oh.